Hey, salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FIFA 23 pour la suite de la carrière avec Chelsea. La suite et la fin de la saison 1. Hein. Il nous reste 3 matchs à jouer. Match contre Leeds, match contre Brighton et on finira Southampton. Lequel on va faire en gameplay? On va regarder ça tout de suite. Alors, Southampton, ils sont 16e. Leeds, ils sont derniers. C'est qui le troisième? Brighton. Ils sont 17e. Ouais, donc c'est pas ouf non plus. On va faire le gameplay en dernier match. Comme ça, ce sera sûrement pour. Ce sera crucial pour la place en Ligue des Champions, je pense. On part comme ça. Je lance le match, on se retrouve pour le résultat du match. Et on se retrouve pour le résultat du match contre Leeds. Ah bah on va pas voir. Et je crois qu'on verra rien du tout. C'est du air football, on voit rien. Ah. On voit l'égalisation. 3-3. Carton jaune, ça on le voit. Est-ce qu'on peut revoir maintenant? Ah c'est bon. Donc 13e minute, occasion pour Leeds. Là, c'est moi, là, je sais pas pourquoi j'ai sorti mon goal. 21e minute, là, c'est but de chatte. Barre. Hop. Donc plus chanceux, tu meurs. Là encore occasion. La première mi-temps, elle a été catastrophique. Hein. 35e. Et le gardien de Leeds, il a été trop fort. Là, je lui tire dessus. 43e, on va quand même réduire le score par Lukaku. Frappe fort du pied gauche, ça fait 2-1. 3-1 à la 65e. Edouard Mendy, là, il faut qu'ils arrêtent FIFA, les bugs gardiens comme ça. D'où t'as vu un goal, il sort et il plonge comme ça sur une frappe. T'as déjà vu ça, franchement? Regarde ça. Ils sont buggés les gardiens, c'est abusé. 74e, encore une parade de Meslier sur Abraham. Il était infranchissable le mec. 75e, on va quand même marquer sur le corner. Tête de Lukaku pour un doublé. Ça fait 3-2. Et on fait le 3-3 à la 85e. Petite passe d'Abraham. Frappe fort au sol de Sané. 3 buts partout. On s'en sort bien parce qu'on a fait une sale première mi-temps. Par contre, ça fait mal. Liverpool et United, ils gagnent. Donc, ils prennent 2 points d'avance sur nous. Je sens qu'on va finir cinquième. Là, on est combien? On est cinquième déjà. On est cinquième. Ah non, c'est que c'est mort. C'est cuit, on va finir cinquième. Et encore, j'ai même pas regardé derrière. Dylan William. Danny. Ouais, non, Dylan William. Il veut pas partir. Blessé. 5 jours, ça va. Coucou, Irelia. Oh, on n'est même pas sûr de finir cinquième, oh. Oh la vache. On a 63 points. On est 3 équipes à égalité. On peut finir septième. Wow. Oh la saison de merde. Match contre Brighton. Oh là là, c'est catastrophique. Hein. Et on peut encore être quatrième. Liverpool. On peut même être troisième. Non. C'est pas vrai. C'est pas fini. On peut être troisième. On est tous à 36 points. S'ils font un faux pas. Non, quatrième. Bon, même quatrième, ça va être chaud. Il reste 3 points. On va bien voir. Hein. On a 3 points de retard sur Liverpool. On va essayer de gagner. Déjà, il faut qu'on gagne nos matchs pour pas perdre la cinquième place. Non, il n'y a pas du tout de Coupe d'Europe. Il est stylé leur maillot rouge.
J'aime bien. Kovacic, tu vas pas jouer. N'Golo. Sané qui m'égalise quand même à la dernière minute, quasiment. Franchement, Mendy, j'ai pas envie que tu joues. M'énerve. Et on va partir comme ça. Du coup, je lance le match et on se retrouve, je l'espère, avec une victoire. Et on se retrouve pour le résultat contre Brighton. 8e minute, parade du gardien de Brighton sur Sterling. Il a dévié en corner. 19e minute, Kai Havertz va ouvrir le score sur une passe de Lukaku. Un centre de Lukaku même. Hop, deuxième poteau. Petite tête. Ça fait 1-0. 25e, c'est Leroy Sané qui va marquer son but pour le 2-0. Frappe à terre. 2-0. 38e, Robert Sanchez va faire une parade sur la tête de Lukaku, je crois. Ouais, belle parade, hein, il s'étend bien. Ensuite, c'est Lukaku qui va marquer sur un centre de Leroy Sané cette fois-ci. Du pied droit, le centre. Une grosse tête, il est tout seul. Ça fait 3-0. 53e, Kai Havertz, il a une occasion énorme. Mais il cadre pas. Ça me rend fou. 81e. Tammy Abraham qui est rentré en jeu va marquer. Il va tout seul au but. Il frappe. Ça fait 4-0. Et 90e, Leroy Sané va marquer son doublé sur une passe de Kanté sans contrôle du pied droit. Ça fait 5-0. Grosse victoire 5-0 qui fait du bien. On a bien géré le match. Évidemment, il n'y a pas les résultats de Liverpool et de Manchester pour voir. Si on peut aller chercher une place qualificative, parce que là, on est en mauvaise posture. Quatrième. Ah, mais on a un match de plus. On a un match de plus. Bon, on va avancer vers le dernier match du championnat. Est-ce qu'on va réussir à sauver, enfin, sauver. Ça n'aime pas sauver la saison, mais faire le minimum. Ça va être en Ligue des Champions avec l'équipe qu'on a. Dans la vraie vie, le coach il saute, hein, surtout à Chelsea. À Chelsea où ça défile. À Chelsea, ça défile, donc ils perdent pas de temps avec ça. Hein. On est cinquième. Avec 2 points de retard sur Arsenal et 3 sur Liverpool qui est troisième. Et Manchester, ils ont combien de points? 70, donc c'est mort. On peut finir. Si les deux devant nous, ils perdent et qu'on gagne, on peut finir troisième. Ils jouent quoi? Arsenal, Bournemouth et Liverpool, Wolverhampton. Wolverhampton, ils visent ma cinquième place. Et Bournemouth, ils jouent le maintien, non? Ouais, ils ont une place à aller chercher. Hein. 31 points, ils peuvent encore se maintenir hein, s'ils gagnent. Donc il y a moyen qu'il se fasse accrocher, ce serait bien. Ouais, je suis pas gourmand, je vais pas chercher la troisième place, mais je veux au moins la quatrième. On va remettre Kepa dans les buts. Il a fait un clean sheet pour finir la saison. Je vais remettre Sané. Et sinon, je vais partir. Je vais mettre Chilwell. Kukurea a été blessé. Je vais mettre Kanté à la place de Kovacic. Kovacic, on va le prendre à la place de Mendy. Il jouera pas le dernier match. Et on est parti. Pendant que ça charge, comme d'habitude, hein, lâchez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous. J'espère qu'on va pas se faire virer en fin de saison. Sinon, la carrière, ça fait un flop total. Bah après, on fait. Franchement, ce serait logique que je me fasse virer, hein. Huitième de finale de Coupe de Ligue des Champions. Peut-être une quatrième place. C'est pas ouf, hein. Aucun titre gagné, même pas une coupe. Le coup d'envoi est le Moi premier qui poteau visais à une être. coupe. Moi qui visais une coupe nationale et au moins une troisième place, bah non. C'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse Pourquoi tu l'avantage descends pour jusqu'en l'équipe bas, de Liverpool. toi? Eh oui, quelle détente! Il l'a suivi jusque dans la sur Il jusqu'au part sur le 5 couloir. mètres. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Vas-y, Il dégage ça, attaque sur Jorginho. Bien l'aile. joué. Ah, c'est une chance Averse, pour le contrôle de gardien merde. de Oh oui, il l'emmène. posséder du ballon. Sterling. Sterling, vas-y en vitesse. Il y a Haribo qui fait chier là.
Havertz, Kanté. Avec Kanté. Lukaku, il a pas pu frapper, putain, dommage. Et voici la composition des Blues. Oh l'hôte, aile de pigeon. Et lui, il est chaud, lui. On va le calmer, on va marquer un but, ça va les détendre. Accélération. Deuxième poteau. Putain, il a bien défendu, le salaud. Jorginho. Kanté. Oh oui, bien joué, Sterling. 1-0. Belle talonnade de Kanté pour Sterling qui finit devant le but tout seul. Là, la passe de Kanté, elle est magique. Boum. Rat de terre. 15e but de la saison. 1-0. Parfait. C'est bon pour la confiance, ça, pour finir. Pour mettre la pression à Liverpool. N'empêche, si je suis pas en Ligue des Champions ou Liverpool est pas en Ligue des Champions, il y a un gros club anglais qui va pas être en Ligue des Champions. Après, il y a tellement de gros clubs anglais maintenant que forcément, il y a de la casse. Vas-y, arrache-le. Parce que là, pour l'instant, c'est City, Manchester, Arsenal, Liverpool, donc forcément il manque Tottenham, Chelsea. Bien joué ça. Vas-y, il y a faute là. On revient à la faute. L'avantage ne profite pas. On revient donc à la faute. N'Golo. Ah non, la mauvaise passe. Sur cette interception, il y a un contre possible. Oui, je sais pas comment on dit Ruter ou Ruté. Je crois qu'il est formé à Rennes. Le ballon sur le côté pour profiter. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Parade de Kepa. Ce serait bien qu'il fasse les deux derniers matchs clean sheet. Le ballon de Ward-Prowse. Ouf. Quand j'ai vu la tête, je me suis dit il va prendre le but. Et non, il la sort. C'est bien. Dégage ça. Sors. Voilà. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Et attention, un but à l'Arsenal Stadium, me dit-on. Oui, c'est le premier but pour... Profondeur pour Sané. Par Kevin Volland, d'un ballon repris de volée. Lukaku. Après 28 minutes de jeu. Okay. Sané. Bien joué. Garde la balle. Carte sur le côté, bien joué. Chilwell. Sterling pour un doublé. Et un doublé de Sterling, du pied gauche. Ça c'est bon ça. On se met à l'abri au moins, on verrouille déjà au moins notre cinquième place là avec cette victoire 2-0 pour l'instant. N'empêche, on a été deuxième un bon paquet de temps derrière City, puis là on se bat pour être quatrième. Lukaku, 3... Oh, j'allais dire 3-0, putain. Vas-y, passe devant, même pas. Sterling, Chilwell. Ah merde. C'est en partie grâce à l'excellente circulation du ballon que le score est aussi large. Ward-Prowse. La domination est totale et l'équipe est parfaitement sereine. Bien joué, Koulibaly. Bien joué, c'est bien refermé. Kanté. Jorginho, Kanté encore. Lukaku, Havertz. Pour Sterling, est-ce qu'il est hors jeu? Et pas hors jeu. Et triplé de Sterling. 3-0 avant la mi-temps, c'est bien. La belle passe par-dessus la défense, dans le dos. Bam, plat du pied. 3-0. Il finit la saison sur un triplé. La pression défensive s'accentue. Putain, ils nous rendent le ballon, c'est bien ça. Ah non! C'est une perte de balle de Chelsea. Elle siffle la mi-temps là. Elle est passée, le salaud. Toujours en sa possession. Merde, je me suis effacé tout seul. Voilà, ça
Non, Sterling. Oh, Sterling, triplé, il revient défendre en plus. Oh putain. 49ème aussi, mais 10 minutes d'arrêt de jeu aussi. Après, normalement, on a une bonne marge, mais bon. Alors, Liverpool, ils font 1-1. Et Arsenal, ils gagnent 1-0, et puis City et United aussi. 1-1, je crois qu'on est égalité, ça nous fait égalité avec Liverpool. Je sais pas si à la différence de but, on passe devant. Il y a des chances qu'on ait une meilleure différence de but parce qu'on a la meilleure attaque, mais niveau défense, je sais pas. Oui, faute, mais l'arbitre fait. Allez là. Et voilà un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Oh non. Bien joué Koulibaly, bien joué. Tout en puissance. Quand... Oh non! Je me voyais déjà décaler Sterling. Ah bah c'est mort, Arsenal ils ont gagné. Oh la vache, c'est mou ça comme passe Koulibaly. Venez chercher la balle aussi. Ah oui, mais vous êtes caché derrière les défenseurs. Il aurait accéléré, il passait tout seul. Hein. Je sens que la deuxième mi-temps va être compliquée. Je perds tous les ballons. J'ai du mal à la récupérer. Ils arrivent facilement devant ma surface. Même dans ma surface, même. Bien joué, Fofana. Kaya Verte, Jorginho. Lukaku. Mais Lukaku, sans déconner, il doit être puissant. Il gagne jamais un duel physique. Bah, il est tout seul. Koulibaly, Sané. Kanté était tout seul. Voilà, Lukaku, profondeur. Putain, leur jeu. Ah, fait chier, Liverpool, il gagne. Il reste 20 minutes, faut qu'ils égalisent Wolverhampton. Plus, non, et s'ils arrachent pas le match nul, Wolverhampton, ce serait vraiment eux qui nous ont coûté la place en Ligue des Champions. Putain, le mauvais contrôle, Avert. Si tu la contrôles bien, t'es au but, t'es face au but. Oh non. Haribo, je vais te faucher. Oh non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin. Oh non, la mauvaise relance qui est pas. Sors, 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 sors. Putain, 3-2, je suis en train de me foutre dans la sauce. Putain, je menais 3-0. Voilà une séquence défensive de conservation de balle. Allez, il faut mettre le quatrième et c'est terminé là. Oh oui, c'est bien joué ça, Jorginho. Oui. Allez, belle action. Belle construction pour un beau but. J'ai été patient. Là, la passe là, elle est belle. En une touche. Frappe croisée. 4-2. Oh, je m'en fous, je fais pas de changement. C'est le dernier match de la saison. 4 buts à 2 au tableau d'affichage. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes. Allez, annonce-moi une égalisation de Wolverhampton. Un but marqué au London Stadium. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de West Ham. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes. Alors qu'on joue depuis 82 minutes. Bournemouth, ils ont réduit la marque, mais ça, je m'en fous. Et ça repart pour les Blues. Kanté. Ah non, la mauvaise passe. Bien joué l'interception. Vous êtes, tu l'as encore, Sterling. Allez, quadruplé. Non, je rigole.
Ballon pour N'Golo Kanté. Et c'est pour Kai Havertz. Ah putain, il prend pas l'appel dans le trou. Victoire 4-2. Donc on est au moins 5e. Mais est-ce que Liverpool s'est fait accrocher ou pas? Je ne pense pas, vu qu'ils en ont pas reparlé de la... Ah, ils ont gagné, donc c'est mort. Putain. On finit 5e, on va être en Europa Conférence. Ah non, en Europa League. Ben, je crois. 165 millions. Lui, il va dégager, je vais le virer aussi. Bon, on va aller jusqu'à la fin de saison, voir si je me fais virer. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on change. Bon travail, il dit. La valeur du club, ouais, bah ouais. Pourquoi je peux pas? Ah oui, d'accord. C'est comme ça, l'autre coup, je cherchais comment on change. Ah oui, faut appuyer sur L3 pour aller quand on a... T'as un autre poste. Ah bah, je suis viré. Ça me regrette de vous virer. Oh merde. Du coup, la carrière avec Chelsea est terminée. Ça aura duré une saison, mais catastrophique. Je signe mon départ. Et il me propose quoi derrière? Bournemouth. Ah, c'est mort, j'accepte pas. Du coup, la carrière avec Chelsea est terminée. Va falloir que je réfléchisse à une nouvelle carrière. Du coup, grosse carrière décevante. Si ça t'a quand même plu de me voir rager et puis de prendre des tôles, n'hésite pas à liker et puis t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.